Que vous m'entendez? On va mettre un coup de lumière. Coucou Isabelle, coucou Anthony, coucou Pounette, coucou Séverine, coucou Jade, coucou Amandine, coucou Kevin. J'ai peur, coucou Jade, j'ai peur d'avoir oublié du monde, je suis désolée. Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, pardon, j'avais pas vu Isabelle, excuse-moi. Ah, je vous tourne le dos, excusez-moi. Regardez, je vous fais un petit coucou. Comment ça va tout le monde? Alors, on est parti pour une... Oh, joyeux anniversaire Jade! C'est cool que ce soit ton anniversaire aujourd'hui. Donc là, on est parti pour une chasse à l'habitant. Alors, le but étant de absolument trouver quelqu'un de beau. Parce que je vais l'avoir pendant un mois maintenant que je t'étais plus. Donc, il faut absolument qu'on trouve quelqu'un de beau. Donc on va pas perdre de temps, on va y aller. Donc là, vous avez les 5 que j'aimerais avoir. C'est pas la bonne idée, oui. Et là, vous avez la liste de tous ceux que, éventuellement, ça passerait sur nous. Voilà. Coucou Séverine, je crois que je t'ai dit coucou, je suis pas sûre, je suis désolée. Hop. Allez, c'est parti. En route. Ah, il pleut chez toi. Alors nous, ils annoncent des orages ce soir. Enfin, en fin d'après-midi, vers 17, 18, 19h. Sinon, c'est pas drôle. Qui est parti? Terra est parti, à mon avis. J'ai réussi à faire partir Terra, je suis trop contente. Alors, je l'ai pas mis sur le Discord. Je suis désolée. Parce que j'ai failli ne pas faire ma chasse. En fait, au dernier moment, hier soir, je me suis dit qu'il faut vite que je joue pour que Terra... que Marie me dise que Terra est en carton et que je puisse partir.
Pardon, Anthony, j'ai pas vu. Tu fais quand Minecraft? Je sais pas du tout. Faudra que je voie. Mais je pense que je ferai plus des vidéos que des lives au début. Tu parlais sur ton île, Isabelle, ou tu parlais... Attends. Tu parlais sur ton île ou tu parlais en vrai du coup? Coucou Michu, comment vas-tu? Ça serait une drôle découverte en live. De quoi? De faire du Minecraft, Mathéo? Attendez, par contre, je vais baisser le son du truc là. Non, chez moi en vrai. Ah, ok, parce qu'il pleut là, alors. Qui c'est que j'ai? Ah, une des sœurs, Nadine. Alors elle est pas du tout dans ma liste. En plus, je préfère sans quoi ça sert Puis je l'ai eu elle. Mais oui, je l'ai eu elle. Non merci. Au revoir Nadine. Mais ça commence plutôt bien du coup. Purée, Terra, moi elle veut pas me lâcher. Alors moi, j'ai envie de te dire, j'ai eu de la chance, hein, parce que le dimanche, il y a Alix qui voulait partir. Et du coup. J'ai cliqué dessus sans faire exprès et j'ai vite coupé ma switch parce que le problème c'est quand vous cliquez dessus vous lui dites non, après il faut attendre 3 jours je crois avant que quelqu'un veuille à nouveau partir, parce qu'en fait je m'attendais pas à ce que quelqu'un veuille partir maintenant, donc j'ai été lui parler et en fait il voulait partir, donc j'étais dégoûtée, donc j'ai vite fait faire la switch sans sauvegarder. J'ai le lendemain il y avait Terra qui avait l'habitude de lui parler et moi je vais partir, donc c'était trop cool. Là, je, voilà. Ouais, mais alors Minecraft en live, ça pourrait être bizarre, hein, je vous le dis, hein, parce que je suis pas très douée dans Minecraft. Coucou, Logisco, comment vas-tu? Coucou à tous ceux qui arrivent et bienvenue. Purée, le casque, c'est un casque anti-bruit, le truc, ça fait trop bizarre. Non, c'est gentil, merci. On entend plus le jeu que moi. Le jeu est trop fort. Ma voix est pas assez forte. Attendez, je peux monter ma voix, hein, je crois. Oui, je peux la monter. Ah ben oui, c'est parce que j'ai changé de micro du coup. On entend plus le jeu que moi. Oui, bah oui, si, c'est comme ça. Est-ce que là c'est mieux si je fais comme ça? Ou est-ce qu'il faut que je baisse le son du jeu? Je pense que c'est ma voix qui n'était pas assez forte. Ah, c'est un chat. C'est Kitty ça, non? Alors elle n'est pas dans ma liste, mais ça passe encore. Je baisse encore un peu le son du jeu. Et là, est-ce que c'est mieux? D'accord, je parle vraiment pas fort aujourd'hui. Là, c'est bien. Isabelle, dis-moi. Oh là là, non, en fait, elle est pas au Kitty. Non, j'en veux pas, en fait. Au revoir, Kitty. Bon, ça va. C'est pas des horribles non plus. Là, c'est bien, oui. Ok, d'accord, c'est bon. Désolée, je parle doucement ce matin. C'est pour ça. D'habitude, j'ai une grande bouche. Non, mais c'est parce que j'ai Nico du casque, là. On t'entend mieux. D'accord. J'ai pas le retour du son en fait que vous entendez, donc je ne sais pas, je suis désolée. J'ai pu toucher les réglages. Eh ben écoutez, nous c'est couvert, mais les orages c'est pour le combat de gladiateurs. C'est merveilleux. Je suis ravie. Alors, je veux voyager. En route. Elle abuse sur le maquillage. Ouais, Kitty, elle abuse un peu sur le maquillage. Non, mais c'est pas. Dans les chats, il n'y a pas de Kitty, je crois. Je crois qu'en chat, c'est Linette que je veux. Et c'est tout. Et Rouge Pif, peut-être. Mais j'aimerais vraiment en avoir un de ceux qui sont en bas, là. Ah, il pleut à chez tout le monde. Ok, ça craint. Ça craint de ouf, là. Ouais, je sais, ils annoncent de la pluie. Le pire, c'est les orages ce soir, quoi. Ça me saoule parce que je sais pas si je vais pouvoir garder le live. Ah non! Plus avec un E, Mathéo. Alors, elle, c'est Célène. Je l'aime pas du tout. On s'en va!
Ben oui, je me suis dit que j'ai fait une petite liste. Parce qu'à chaque fois, on me demande quels habitants je voudrais et j'en sais même rien. Donc là, j'ai mis en image ceux que je voudrais de trop. Et sur la petite liste, ceux qui, voilà, ça passe. De 13 à 15, Niju, bah moi c'est de 17 à 19. Forcément. Purée, Amandine, t'as de la chance. Kebab, okay, bah, dès que vous voyez un mouton, alors lui il rattrape son père. Dès qu'il voit un mouton, kebab. Okay, bon, à tout moment, si je trouve. Zut, je trouve personne, je vais devoir continuer ma chasse. Donc soit je la continue avec vous cet après-midi, avant l'autre live, soit je la fais de mon côté. Mais je ne fais pas d'aléatoire, c'est mort. Je refuse d'avoir un moche pendant un mois sur mon île. Bon, il y a les amiibos, hein, mais... Je crois que tout le monde arrive chez toi, Amandine. T'as de la place pour accueillir tout le monde. Allez, go. Bon. Marilou. Alors, dans les loups, il n'y a que Monica que j'ai sélectionné. Au revoir. Mathéo, t'es sûr, faudrait faire de la route. Hein. Je suis pas sûr que tu aurais le courage de faire de la route. Moi, je suis bloquée au même jour qu'hier pour la chasse. Ben moi, comme j'ai plus le droit de téter, faut absolument que je trouve quelqu'un aujourd'hui. J'ai pas le choix. Ouais, c'est ça, c'est vrai, on fait un quart, puis tu sais, on fait toujours de la France histoire de récupérer tout le monde. Et bim, on arrive chez Amandine. Bon après, à tout moment, d'ici qu'on arrive, il y a de la pluie chez Amandine, hein. Il est temps de récupérer tout le monde. C'est gentil, Amandine, merci. Ah bah non, Pounet, t'as pas le droit de dire ça, moi je suis hyper grande. Je peux pas me mettre partout. On vire les plus grands. Ah, zut. Bah on prend pas Isabelle, désolée Isabelle. Hein. Il faut prendre une voiture pour Isabelle, on peut pas prendre Isabelle dans le car, parce que si elle vomite, moi je vomite aussi. C'est pas possible. Oh non, une cochonne. C'est Lily, ça, je crois. En plus, elle est pas ouf, elle. C'est un bâton tout droit comparé à moi. Hein? Tu veux dire quoi? Que toi, t'es tout petit? C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est vrai que Mathéo, il a oublié de grandir. Il est tout petit. Mais moi, je peux me plier en plusieurs morceaux. Donc, je prends pas trop de place, Amandine. Bon. En route, Simone. Enfin, Maurice, pour le coup. Il y a plein de décalage sur Twitch, c'est ça qui est cool. Ça m'affiche comme ça. Go. Ouais, c'est ça, c'est Brine. Tu prends une chaise, tu déranges pas tout le monde. Qui prend une chaise, Pounette? Tu me plies un plusieurs morceaux. Oui, j'ai l'habitude d'être toujours recroquevillée. Donc je peux me plier. Je suis grande, mais je me plie. C'est quoi ça? C'est Opaline? Ouais, ouais, non. Alors, elle est pas moche, hein, mais non. Il n'y a pas d'éléphant dans ma liste. Allez, zou. Bon, j'ai pas des moches, mais j'ai pas ce que je veux.
si, si, un peu moche. C'est pas la pire des éléphants. Il y a pire. Elle est pas ouf. Mais il y a pire. Genre, Paolo. C'est pire quand même. Soyez honnête. Ah, ceux qui sont grands, ils prennent des chaises pour être petits. Oui, d'accord, t'as raison, Tounette. Mais je te dis, moi, comme je me plie, il n'y a pas de problème. Je passe partout. Matteo, il est petit et en chewing-gum, donc lui, c'est encore mieux. Tu peux en faire ce que tu veux. Coucou à tous ceux qui arrivent et bienvenue. Et ceux qui sont petits, bah, ils peuvent rester debout, effectivement, c'est vrai. Non, mais après, tout dépend de ce que vous appelez grand, hein. Je suis pas 1m90 non plus. Si, mon fils, t'es mignon. T'es tout petit, t'es mignon. Bon. Ah non. Ça, par contre, c'est pas possible. Je connais toujours pas le nom des lions et je m'en fous, en fait. J'aime pas les lions. Je suis pas sûre qu'un jour, je... Même si je ferais une savane, je sais pas quel lion je pourrais prendre. Il y a Cléopold que je sais parce que c'est un vieux. Il a un nom vieux. Mais non, Mathéo. Ah bah Michu, t'es plus grande que moi du coup. Je vais plus venir au bout d'un moment, je vais finir par le prendre. Mais non, je viens de dire que t'étais mignon. Ah zut. Oh, c'est trop mignon, Pounette. T'occupes, Loulou, c'est pas grave. Je suis harcelée de coups de téléphone. Alors... Ah non, ça c'est moche. Ça c'est hideux. Ah non, 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 non. Ça c'est vraiment hideux. Ça, ça va pas le faire. Je veux pas imaginer un truc comme ça sur mon île. Mais ma chasse, elle va durer 30 ans. Bah non, du coup, pas plus de 24 heures, quoi. Ça fait tu chez nous. Ouais, ouais, je sais, Mathéo, mais c'est pas grave. Tant pis, on répondra plus tard. Enfin, je rappellerai plus tard, parce que je vais pas répondre plus tard, ça. Pas belle, Burke, moche, très très laide. Oui, ça c'est moche. Ah ouais, non mais je sais pas si quelqu'un me prune, mais c'est genre pas possible, quoi. Elle fait trop flipper, je trouve. Désolée pour ceux qui aiment prune, hein, mais... moi, c'est pas possible. J'aimerais trop avoir Ketchup ou Reyna en priorité. J'aimerais trop, trop, trop. Je sais que ça me fera trois canards. Je sais, Isabelle, mais trop beau. Même moi, le matin, quand je me réfléchis. Il m'agace, ce gosse. Marito, ouais. Allez, au revoir. Oh là là. En route. Ah bah oui, c'est sûr, Miju, le thème tropical à fond dedans. Moi, j'ai vraiment pris que des persos que j'aimais bien, comme c'est nos thèmes. En sachant que Grignotte et Eva, je les ai encore jamais eus. Mais Ketchup, ça va faire un an que je l'ai plus et je l'adore de trop. Et Reyna, pareil. Donc... Mais non, Mathéo, tu sais que c'est mon, tu sais, mon amour pour toi. Tout va bien. Il est partout, tout le temps, lui. Mais oui, Amandine, tout le temps. Marito, c'est le genre de truc qui te lâche pas.
Je pense que personne ne le veut, c'est pour ça. Bah écoute, moi j'adore ses yeux, je la trouve trop belle en fait. Après avoir en vrai, hein, à tout moment je change d'avis quand je l'avais en vrai. Oh purée, après Céline c'est tout le temps je crois lui. Oh non, j'en veux pas. On s'en va. Ouais, c'est bon, je sais. La dernière fois j'ai galéré pour la voir. Et je l'ai fait partir parce qu'elle allait pas dans le thème Noël. Donc elle est partie. Donc la dernière fois que je l'ai vue c'était sur l'île tropicale, donc de l'année dernière. Kebab 2.0. À mon avis, on va en avoir des 3 ou des 4.0 même. Bon. Coucou à tous ceux qui arrivent, bienvenue. Allez, un petit beau. Mais est-ce que je vais être difficile? Est-ce que si je tombe sur un de la liste, je vais quand même le prendre? Ou est-ce que je veux un des 5? Oh là là, j'ai peur. Je me fais peur toute seule. Bah alors ça, c'est pas sur la liste. Hein. Oh là 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 là. Au secours, cours, 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 cours. C'est moche. Je veux rentrer, je te dis. Merci. Ouf. Ah non, mais alors ça c'est moche. Hein. Ah là 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 là. En route. Je vous remets la petite liste. Dites-moi dans la petite liste et les 5 que j'ai mis en bas, c'est qui que vous aimeriez bien. Enfin, votre préféré, genre. Qu'on voyait un peu. Merci Mathéo. N'oubliez pas d'aller rejoindre Amandine. Il y a son lien de. Le lien de sa chaîne YouTube et de sa chaîne Twitch qui vient de s'afficher. Donc n'hésitez pas à aller la retrouver pour des super lives et super vidéos. T'as pas vu, c'était Drago, Sébrine. Le crocodile tout moche là. Oh là 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 là, il est trop moche lui. Donc n'hésitez pas à me dire qui de la liste ou des 5 personnes. Bah de la liste en fait. Au revoir. Qui vous préférez de la liste en fait? Quel est votre perso préféré de la liste? Au revoir, ça c'est trop moche. Allez. C'est normal Amandine. Moi j'aime Agnès, Ketchup et Rena. Ok, donc ceux qui sont là. Pauline, bien Monica. Ok, Kevin. Alors Pauline et Monica, elles sont dans la liste, mais pas dans celle que j'aimerais avoir tout de suite. Mais si je tombe dessus, je sais pas. Monica, Mallory ou Philibert. Et toi Isabelle, t'as pas dit? Qui c'est qui a pas dit? Pounette non plus, elle a pas dit. Mathéo il est trop difficile, je pense. Tu dois pas en aimer beaucoup, Mathéo, non? Amandine non plus n'avait pas dit. Cléa, Réna et Anne. Ok. Réna, elle est trop belle. J'avoue, Réna, elle est magnifique. Cléa, je voudrais la voir en vrai. De quoi j'ai pas écouté. Oui, Annelise aussi. Ouais, Annelise, elle est canon. Je te demandais lequel de la liste tu préfères, Loulou. Ah bah pas ça. Alors avec ses yeux, tête de bouton, non merci, c'est pas possible. Tu sais à quoi il ressemble, rouge pif au moins, Mathéo? Dans toutes ceux de la liste, Pounette, c'est qui tu préfères en perso?
Pas de soucis, Miju. Evaline, Trouche, Plifan, Nizrena, Grignot, il y en a plein. Ok, Isabelle, donc tu penses que ceux que j'ai choisis pour la plupart sont beaux. Merci, Loulou, à CNH pour ton follow. Merci beaucoup. Ah, ok, Mathéo. Merci beaucoup pour ton follow. Couleur vomite. Oui, bah oui. Bon, c'est loin de ce que je veux, là. Oui, Pounette, mais elle est pas dans la liste. Mais effectivement, Molly est très belle. Mais je l'ai déjà sur mon île. D'ailleurs, elle fait partie de comme Ketchup et. Pas Ketchup, comme Choco et Miro. Parfum. Il reste. Je parlais de la liste sur le côté, Pounette. Célia. Alors, Célia, elle est pas moche. Mais en écureuil, j'ai mis que Mathéo, Mounia et Philibert. Et elle est pas dans le tas. Donc, on s'en va. Au revoir, Célia. On a remis le ticket. On est à 32. J'en avais 46. Ok. Tu vas pas reprendre Miglou. Non, Miglou, je l'ai mis parce que je l'adore. Mais. Mais je l'adore, hein, Miglou. Bof, bof. Hein. Non, pas bof, bof. Je le trouve trop beau. Il est trop beau, mon petit Miglou. Mais je l'ai eu il y a pas longtemps. Par vite que c'est moche. Ah, ça va, elle est pas horrible, Célia. Pas grave, Pounette, t'inquiète. Ouais, Célia, elle est pas moche. J'en sais rien, Kevin. Je ne sais pas poser la question, pour être honnête. Cléa, Pounette, elle aime bien. En écureuil, je préfère Mounia. Je sais pas qui je préfère en écureuil. Je crois que c'est Mathéo, mon préféré. Mais Isabelle, t'aimes pas Miglou? Tu m'as pas dit. Bienvenue, Louane. Du coup, est-ce que tu suis Amandine sur Twitch? Est-ce que tu veux que je te mette le lien pour aller t'abonner à son Twitch, Louane? Ah non, ça c'est moche. C'est Pouli, je crois, lui. Ah là 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 là, c'est trop moche, on s'en va. Bof bof. Hein. Ah, t'aimes pas Miglou? Oh, moi je l'adore, il est là, il est parti des petits chouchous. Mais je l'ai eu il y a pas longtemps, donc c'est pas lui que je vais prioriser. Merci Mathéo. Original. Pas beau quoi. Allez, go! N'hésitez pas à aller soutenir Amandine, il y a le lien de sa chaîne YouTube, bien sûr, de YouTube et le lien de sa chaîne Twitch. En route, mon petit. C'est gentil, Louane, merci. Non, c'est pas beaucoup de trop, Amandine. J'avoue que sur YouTube, ils pourraient faire la même commande. Franchement, c'est pratique. On perd moins de temps. Mais je crois qu'il y a des bots YouTube. Amandine, faut qu'on trouve. Je crois qu'il y a des bots YouTube. Ça doit exister, ce genre de choses. Go. Alors. Ah non, ça c'est moche. Ah non, 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 non. Ça, j'en veux pas. Ah non, non, non. Ah non, 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 ça je peux pas. Je sais même pas comment elle s'appelle, elle. Tarina? Un truc dans le genre, elle, ça doit être. Ah, qu'est-ce qu'elle est moche. Ok, Pounette, bonne chance pour ta chasse, tu cherches qui? Mais pourquoi il marche pas? Ce serait pratique. Sur Twitch, il y a quand même vachement moins besoin de modération, je trouve. Ah mais non, il y a une mouche. Purée, en plus comme elle sent l'orage, elle va me piquer. Enfin, elle va me piquer.
MDR, on a vu à peine ce nom. Oui, mais non, j'en veux pas, c'est le gros fourmilier rose, là. J'en veux pas, une fourmilière. Non, une fourmilière, c'est autre chose. Moi, Théo, c'est un fourmilier. T'es encore en train de faire partir Terra? Terra ou Molly ou Monica? Ah, je suis désolée, Pounette. Franchement, j'aurais allumé mon jeu plus tôt hier soir. T'aurais pu avoir Terra. Je suis vraiment désolée. J'ai complètement zappé, en fait. Ah ben. Quand on parle du loup, on en voit la queue, on dit. Mais petite Terra. Alors t'es très belle, hein, mais franchement, faire une chasse pour te reprendre, je vois pas l'intérêt. Tu serais partie il y a 15 jours encore, j'aurais pu hésiter, mais là, non, je peux pas. Allez, c'est parti, mon kiki, on retourne à la maison, Rodrigue. J'ai essayé plusieurs trucs, mais rien n'y fait, ça m'a gonflé ce truc, alors que le photo Wizbot, il est cool. Mais oui, trop cool, Amandine. Désolée, Pounette, je vais pas la prendre, Terra, du coup. Mais j'espère que tu la trouveras et que t'auras autant de chance que moi. Elle me poursuit, mais carrément. En plus, elle est belle, hein, mais je suis pas une grande fan de Terra. Donc, du coup, bah, j'en veux pas. C'est vrai en plus. J'ai un peu plus. Vous allez me trouver chiante, mais j'ai un peu de mal avec ses yeux. Tu as de la chance quand même aujourd'hui. J'avoue que ma chasse pour l'instant elle est pas pourrie. Mais même si elle est pas pourrie, ça veut pas dire que je vais trouver quelqu'un que j'aime bien. Parce que le problème, c'est que comme je ne t'étais plus, ça va durer longtemps pour que je trouve quelqu'un que je veux garder. Ça va être un enfer. Non, Panda, on pleure pas, chérie. Allez, go! Bérénice! T'es pas sur la liste, mais t'es mignonne. Et j'avoue, par contre, alors je sais pas, il paraît que de Tété, on a des plus moches. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Il paraît qu'on a moins de chance quand on Tété que quand on ne Tété pas. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais pour l'instant, en tout cas, c'est plus beau. C'est ping-pong, Séverine. Enfin, je te ping tout coup. Ou nous, on dit ping-pong, Séverine. Mais oui, c'est ça. Ouais, t'as vu ça? J'ai vachement ouvert mon esprit, là. T'as vu toute la liste que j'ai? Attendez, je vais l'enlever, en plus. Hop. On va pas la garder tout le long. Oh non, zut. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais il paraît... que quand on tété, on a plus, on a moins de chance en chasse. On verra si jamais je trouve quand même quelqu'un ou pas, mais bon. J'ai Tiffaine là. Ah, Tiffaine, moi je l'aime pas trop. Hein. Elle est pas ouf, Tiffaine, je trouve. Coucou Audrey, comment vas-tu? C'est gentil de faire un petit coucou, bon courage. C'est gentil Audrey, ben nous, bon courage, nous on pense à toi. Hop. Qui c'est ça? Margot. Elle est pas moche non plus hein Margot, je la veux pas parce que... Je sais pas pourquoi mais je la veux pas. Mais elle est pas moche. Allez, on continue. Alors, Audrey, je ne sais pas si je vais trouver quelqu'un ce matin ou si je continue cet après-midi, voire ce soir. Je ne sais pas. Je peux pas dire, je ne sais pas. Je voudrais un beau, parce que hors de question que je me tape un moche pendant un mois. C'est pas possible. Un mois minimum. Margot est bien aussi. Franchement, oui, pour l'instant, j'ai de la chance. Je trouve qu'on a trouvé plutôt des... Je l'aurais sur mon île, je pèterais pas un câble, quoi. Si tu trouves pas, tu m'envoies rien. Voilà, si je t'ai rien envoyé, c'est que j'ai pas trouvé. Puis on décidera ensemble de ce que je fais si jamais j'ai trouvé personne à la fin de ce matin. Gros bisous Audrey, bon courage, merci.
Allez. J'aimerais quand même beaucoup avoir ketchup ou Rena. Je serais trop contente si j'aurais ketchup ou Rena. Après, si j'ai grignoté Eva et Agnès, ça me va aussi. T'as réussi à faire partir Lico, Audrey? Ça y est? Ah non, 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 non. Lui, c'est pas possible, quoi. En ourson, j'ai pas mis lui. Pourtant, il y en a pas mal des petits oursons. Moi, je les aime tous, mais non. Pas Eddy. Non, non, je veux pas. En route. Ah, Berk, moche. Ouais, ouais, non, il est moche, Eddy. J'aime pas du tout. Pourtant, les petits oursons, la plupart sont beaux quand même. J'ai eu des lapins, ça commence bien. Ça va, les lapins, c'est mignon. T'as de la chance. Après, c'est pas ce que tu veux, mais c'est beau. J'ai Dorothée. Elle est belle, Dorothée, ça va. C'est pas ma préférée, mais elle est belle, je trouve. Bon. C'est quoi ça? Ah non. Ah non, c'est Mozart, ça. Gruyère ou Mozart, ou je sais pas lequel. Non, 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 non. Je sais pas si vous avez entendu la notif du coup. Est-ce que vous venez d'entendre la notif de mon ordi? Juste pour savoir si ça fait ding ou pas chez vous. Ah bah si, vous l'avez entendu. Ok, d'accord. Cours, cours. Oui, j'avais oublié de désactiver le son du bureau. On a entendu un gloop. Bon, désolé, c'était un petit discord. Du coup, merci. En route. Bon. Je vois combien de tickets là. Ok. Oh, oh, j'ai ketchup. Mais c'est bien trop bien. Et ben moi qui m'attendais à avoir une chasse méga longue. Hop 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 hop. Ouais, viens ici, petite ketchup. Viens sur mon île. Trop bien. Bon, le seul truc, c'est que du coup, je peux pas vous la montrer, hein, parce que elle viendra que demain. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Merci, merci. Et comme quoi, il faut peut-être pas téter, en fait. Je sais pas s'il y a un rapport, mais ketchup, j'ai galéré de ouf. D'ailleurs, dans toutes mes dernières chasses, vous aurez pu remarquer, elle n'y était pas. La première fois où j'ai voulu l'avoir, je ne l'ai pas trouvée non plus. Et là, je ne tétais plus. Ça fait dernière fois, 15 jours, je crois que j'ai pas tété. Et là, j'ai ketchup. Donc, je sais pas s'il y a un lien. Dites-moi s'il y a un lien, mais je suis méga contente. Bon, bah, on va rentrer. Quelle chance ce matin, waouh, bon, encore un canard. Oui, par contre, ça fait encore un canard, je reconnais. Mais, je suis méga contente. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance ce matin. Dites-moi si jamais vous avez... Est-ce que ceux qui tétaient ont autant de chance? Dites-moi s'il y a un lien. Non, je reconnais, j'aime bien les canards. C'est vrai.
J'ai un problème avec les canards, je crois. Est-ce qu'on peut personnaliser la maison de nos habitants plusieurs la même journée ou pas? Est-ce que vous savez? Attendez, on va quand même voir pour être sûr qu'elle soit bien là. Non seulement j'ai pas pris beaucoup de tickets, en plus la chasse était plutôt belle. Franchement, on est tombé sur de beaux habitants pour la majeure partie. Et en plus, je finis avec ketchup, quoi. Non mais... Regardez-moi ça, je suis trop contente. Non, je fais pas une île au canard, promis. Attendez, on va enlever ça, du coup, maintenant on en a plus besoin. Hop. Parce que j'ai eu ketchup. Le prochain à partir, vous me conseillez qui? Qui c'est que vous conseilleriez de voir partir, là? Tu sais pas, Pounette, je sais pas. Ah, Amande, elle est jolie, Pounette. Je la trouve belle. Juste ses cils qui me gênent parce qu'ils sont en bas. Mais sinon, elle est jolie. J'arrête pas de taper dans le micro, faut que je fasse gaffe, vous devez avoir mal aux oreilles. Si, si, une île coin-coin. Non, parce que en coin-coin, il reste qui que j'aime bien? Mallory, que je trouve plutôt jolie. Et c'est tout, je crois. Donc, il m'en manquerait de trop. Donc, je vais pas faire une île coin-coin. Non, 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 non. Il y en a, ils sont vraiment pas beaux, des coin-coin. Hi, Kitty. Coucou, Kitty. Je sais pas si tu es française ou pas. Bienvenue. Bébert, non. Bébert, j'aime pas trop. Enfin, il est rigolo, mais non, merci, j'en veux pas, Mathieu. Sivet, ouais, Sivet, je pense. En fait, je vais garder ces trois-là dessus. Après, je pense que tous les autres risquent de partir. Pécan, pas tout de suite, parce que c'est une arrogante. Ruby, je l'aime bien et j'ai pas sa photo. Enfin, en fait, les quatre-là, j'ai pas leur photo, donc pas tout de suite, je vais attendre d'avoir leur photo. Nonas, je m'y suis attachée. J'aime pas trop Biquette, je suis entièrement d'accord. Séverine, c'est celle que je vais faire partir la plus vite, je pense. Je suis française, t'inquiète. Ah, cool. Mais je parle japonais. Alors, si ça te dérange pas, je vais continuer de te parler français. Parce que japonais, on va avoir du mal. À part arigato, je connais pas grand-chose. Konnichiwa, voilà. J'aime pas Amande. Ah, zut, si t'aimes pas Amande, Ruby ou Sivet. Oui, bah de toute façon, c'est tous ceux-là qui vont partir avec Alix. Il va partir aussi. Ruby, oups, j'ai mal écrit. Je crois que Ruby, tu l'as marqué en version anglaise. Il me semble, si j'ai pas de bêtises. Mais du coup, ouais. Ah oui, mais non, c'est ce que je te dis, moi je vais te parler français, hein, parce que je ne comprends pas ce que tu as écrit. Genre, tu as marqué, vous êtes tous nuls, moi je vais dire, ok, cool. Bon. Alors, on va ranger ça, et on va faire quoi pour la fin? Oui, j'ai un arbre dans mon inventaire, mais c'est parce que cet après-midi, j'ai filmé la déco des sœurs boîtiers. Donc, voilà, voilà. Est-ce qu'on change une maison? C'est mon côté anglais qui ressort. Ok, Amandine, ton côté anglais ressort, d'accord. On aurait pu faire genre celle de Sivet. Alors, mon Wizbot, il est censé mélanger les phrases, mais il met tout en la même pour l'instant. Merci Kitty pour ton follow, c'est très gentil, merci beaucoup. Ouais, on a atteint les 70 sur 70, cool. Merci beaucoup. Je sais, en fait, j'ai une barre qui s'est affichée. J'ai mis gérer les objectifs, le truc. En fait, je savais pas ce que c'était. Mais c'est pas grave. J'ai Blair. Oh, puis Pounette, puis. Tu peux pas rester avec Blair, c'est pas possible. Bon. Il nous reste encore un peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se ferait pas la maison d'un habitant, d'un perso? Mon petit Choco, c'est trop mignon. Oh, mon petit Miro. T'es trop beau. Non, ils sont trop beaux. Je peux pas les faire partir, c'est pas possible. J'ai la maison de Sivet. Neneus aussi, on aurait pu refaire sa maison. Je sais pas où je vais le placer encore, mais... Ou alors on part sur le DLC. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez faire quoi? Alors normalement il y a un truc de sondage, mais je crois que moi je n'ai pas activé ce truc. Donc je peux pas vous dire. Est-ce que vous préférez du DLC, la déco d'une maison? Pas la déco de l'île parce que je peux pas aller me promener sur l'île. Il faut absolument que je fasse les sœurs doit faire avant. Donc dites-moi tout, qu'est-ce que vous voulez faire? Déco d'une maison? Ok, ça marche. Et on fait la maison de qui alors?
Bah c'est... Ouais, merci Mathéo. Je sais pas comment on fait une annonce. Baguette croissant. Ah, tu as faim, Kitty? Ça sent la boulangerie, ça. Miam. Alors, parlons maison. La maison d'un résident. Ouais, vas-y. Alors, non. Alors, on a nonos, civet qu'on peut faire pécan, rubis. Non, rubis, on l'a déjà fait, je crois. J'aime pas ce Tom Nook. Qui aime Tom Nook? C'est un arnaqueur de première. J'ai Mireille, ça va. Ah oui, c'est mieux la pounette. On est mieux là quand même. Coucou à tous ceux qui arrivent et bienvenue. Alors, vous préférez qui? Civet, nonos ou pécan? On aurait pu aller voir qu'il y avait sur la plage. Ben, si je vais vite, Amandine, on ira faire un tour sur l'île, même si jamais on ne fait personne, juste pour voir qui y a. Il m'a même pas fêté joyeux anniversaire. Tom Nook, il t'a pas souhaité ton anniversaire? Non, il n'y a que Marie qui le souhaite et les habitants. On fait civet. Ok, ça marche. Ah, zut, désolée Amandine. Ton message est arrivé quand j'ai cliqué sur Civet, je suis désolée. Bon, Civet, ça vous va du coup? Comme Isabelle avait répondu la première. Ah, vous étiez tous partants pour Pécan. Je suis désolée, les filles, excusez-moi. Non, mais Tom Nook, il est pas très gentil. C'est moche chez elle. Non, c'est pas moche chez Pécan. Tu trouves que c'est moche chez Pécan? Oups. C'est de ma faute, Isabelle. Il fallait que je patiente. Alors, maison en bois, comme c'est une maison qui est au bord de l'eau, maison en bois ou maison comme ça, parce que celle-là, ça va pas. Donc, soit celle-là. Vous préférez quoi? La première, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. Dites-moi, un ou deux? Je vais attendre tout le monde cette fois, Isabelle. Alors, Isabelle, elle dit bois. On n'est pas écouté, je suis désolée, excusez-moi. Ah, Agnès, elle est très belle, Pounette. En bois pour Kitty aussi. Hop. Hop. Je vous remontre. En bois. Ok, là on est tous partants pour du bois. Alors. Elle fait des bêtises, faut pas lui en vouloir. Merci Mathéo, c'est gentil. Oui, Pounette, dis-nous si tu la prends. Alors, comme c'est un coin bleu, je verrais bien le toit bleu. Mais alors, le toit bleu, comment? En ardoise? Ou en hervuré? Je trouve qu'en hervuré, il est plus beau, je crois. Ah non, peut-être en ardoise. Ardoise, le premier, celui-là, ou le deuxième? Ah, Pounette, elle veut pas prendre Agnès. Vive Google Traduction! Oui, Isabelle a raison, on ne comprend pas. C'est pour ça que le message est supprimé. Parce que si jamais tu dis des choses méchantes dedans, du coup, on ne sait pas nous. Alors, nervurée ou ardoise, qu'est-ce qu'on prend? Je dirais ardoise. Il est plus beau, je trouve. Ensuite, bah on a dit bois, donc on va prendre en bois. Alors, on a bois comme ça. Non. Celle-là, elle est pas mal. Faut juste changer la porte. La porte, elle est pas ouf. Attends.
Est-ce que comme ça vous la trouvez jolie la maison? On pleure du coup, Pounette. Bonjour, je suis japonaise, j'aime bien le français, croissant, baguette, etc. T'as raison, les trucs de la boulangerie, c'est trop bon. C'est une tuerie. Alors, est-ce qu'on garde comme ça? Elle est pas mal comme ça, ma petite maison, non? Il y a des autres portes, je crois. Mais je crois que celle-là, elle est belle. Ah, ou alors, attendez, celle-là, peut-être de porte. Ah, peut-être plus cette porte-là. Alors, Isabelle a marqué oui, mais du coup, j'ai changé de porte entre-temps. Est-ce que vous préférez la porte-là? La porte avec la fenêtre ou sans fenêtre? Chavouina, ça va encore aussi, fenêtre. Oui, c'est beau. Avec la fenêtre, moi, je la trouve plus belle, hein, la porte avec la fenêtre. Donc, on part là-dessus? Oui, c'est bien là. Oui, ok. Avec. Allez, c'est parti, go à l'intérieur. Bon, qu'est-ce qu'on lui fait à Sivet? Dans quelle couleur on va lui faire? On va lui enlever son truc tropical là. Allez, on enlève tout ça. Oui, c'est bien. Ok. Bon. Alors, déjà le papier peint. Alors, on va se remettre comme ça, si on veut. Attendez, hein, il est moche, mais... Non, on veut pas du bois. Non, ça c'est pas ouf. Non, ça c'est beau, mais... Qu'est-ce qu'on lui fait? J'aime pas trop sa maison. Moi non plus, Kitty. Moi non plus, Kitty. C'est pour ça qu'on va y travailler. On va changer tout ça. Non, trop son. C'est trop fini. Non, ça c'est délabré. Alors. C'est bête qu'on peut pas agrandir. Et ouais, franchement, c'est bête. Je suis d'accord avec toi, Isabelle, c'est trop dommage. Est-ce qu'on mettrait peut-être du bleu pour Civet? Ah, j'ai un moche, c'est un cheval, je connais pas son prénom. Il est de quelle couleur, Pounette? On pourrait peut-être laisser celui-là. Pas coupé au début, mais bon, c'est mieux que rien. C'est dommage, on peut pas décorer comme on veut du coup. Ouais, c'est ça en fait. Vert. Un cheval vert. Vendredi, il faut que je parte en chasse à l'habitant, mais je ne peux pas la faire. Je fais comment? Eh ben, tu n'allumes pas ton jeu. Et tu allumes ton jeu que quand tu peux la faire. Séverine. Ok Kitty, il n'y a pas de souci, mais juste par précaution, parce qu'après, si tu le fais et que on te laisse le faire entre guillemets, il y a d'autres petits malins qui pourraient venir et se dire ok, c'est bon, elle le fait, on peut le faire, et qu'au final, eux par contre soient beaucoup moins sympas en fait. C'est juste pour ça. C'est gentil, Kitty, merci. Comme ça, je pense. Non, pas ça.
Bon, le tapis, on va l'enlever. Bon, je suis partie sur du bleu, moi. Alors, j'ai eu ketchup mes yeux, donc du coup, on fait la déco de chez Civet. Pas si jamais tu leur as pas parlé, Kevin, tant qu'elle t'a pas, tant que Marie t'a pas dit elle est en carton, c'est bon, Kevin, tu peux. Bon. Qu'est-ce qu'on lui met à petit Civet? On va peut-être déjà commencer par sa chambre. Alors, on va lui mettre un lit. Bon, lit, j'ai que des lits de place. J'ai pas le lit joli rêve. Mais c'est une blague, pourquoi je l'ai pas? Ah si, attendez, il est plus haut. Après, joli rêve chez Civet, ça va peut-être pas le faire. Hein. Zut. Non, ça fait trop enfantin chez Civet, ça va pas. Si, si, c'est possible, Séverine. De rien, Kevin. Oui, mais juge, j'ai eu taquet de chance. Alors, attendez, le lit ranch, il est pas mal aussi. En bleu, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, la collection ranch? On peut lui mettre que des trucs ranch? Ouais, c'est ce que je pense, toute la collection. Oui, super, ok. J'adore cette collection. Cette collection est très jolie, j'avoue. C'est quand l'apéro? Chez vous? J'imagine que tu veux dire, ça dépend, en semaine, il y a rarement de l'apéro. Mais si jamais tu attends midi, c'est dans 1 heure et demie, Kitty. Simon, c'est bof, pounette. Ça fait pas trop bleu. Si, 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 Séverine, ça fait peut-être un peu bleu. Peut-être falloir que je change le papier peint, peut-être. Ou alors la collection Ranch la met en blanc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je laisse en blanc? Oui, en blanc. J'aime mieux en blanc, moi. Dites-moi ce que vous en pensez avec le blanc. En plus, j'ai plus de déco blanche. Alors, attendez, on va lui mettre un petit truc au-dessus de l'armoire. Je sais pas quoi, mais je vais lui mettre un petit truc. Non, c'est pas ça, c'est ça. Oui, c'est bien. Oui, en blanc avec quelques touches. Ouais. Ok. Alors, ça, c'est de la nourriture. On va lui en mettre, hein, c'est obligé. Ah, on aurait pu lui mettre une petite lampe. Quelle petite lampe? Petite lampe, petite lampe. Petite lampe étoile. Mais du coup, elle va pas ressortir. Il faudrait qu'on la mette en une autre couleur. Ouais, elle ressort pas du tout.
Est-ce que là, vous avez entendu la notif? En blanc. Est-ce qu'elle ressort plus en blanc? Là, pour le coup, peut-être en jaune, alors. Ou alors, carrément, j'abandonne. Je sais pas, est-ce que je la laisse ou pas? Ah, vous les entendez encore? J'ai coupé l'audio du bureau, je ne sais pas. Alors, si, je sais. Faut que je fasse ça. Voilà, là, vous entendez plus. Qu'est-ce qu'il y a, Kitty? Pourquoi tu marques Oh My God? Enfin, OMG, du coup. J'ai mis Gwell. Je suis pas fan, moi, Prunette. Et en blanc, du coup, Miju, t'as dû voir. C'est chez toi. Ben oui, forcément, Isabelle, c'est sur le Didi, donc on l'a eu en même temps. Est-ce qu'on laisse la lampe? Et si oui, en quelle couleur? Donc, Céline, elle a dit jaune. Donc, en blanc, du coup, Miju, t'as dû voir. Pas entendu la notif. Donc, a priori, Isabelle, ça vient de chez toi et chez moi. En blanc, je trouve que ça ressort pas de trop. Je trouve, après, c'est mon avis. Est-ce que sinon, je pourrais mettre autre chose? Attendez. J'ai peut-être autre chose que je peux mettre au-dessus de l'armoire. Ah ben, on aurait pu mettre l'horloge, du coup. Elle est plus petite. Est-ce que ça fait mieux? Ah bah c'est sûr, Kitty. Moi aussi j'ai eu la notif. Bon, je suis sceptique avec ces lampes. Purée. Je me fais harceler au téléphone. Où je mets une petite plante verte. Un petit bonsaï. Ça fait encore tu du thym, Mathéo, je sais. Ou alors je mets un petit bonsaï. Coucou à tous ceux qui arrivent, bienvenue. Merci Isabelle. Moi aussi j'ai eu un notif, moi aussi c'est le Discord. Oui, la pendule. Alors, on a la pendule, on a le petit bonsaï, on a tout ça. Alors, j'ai Charbert. Il n'est pas beau, lui, Prunette. Voilà, j'ai les trois trucs là. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Oui, on aurait pu mettre des livres aussi. Non, il n'y a pas de couleur que je veux. Ah, le petit cochon. Bah du coup, elle a peut-être plus en bleu, le petit cochon, pour le coup. C'est bien avec le bonsaï. Ouais, le bonsaï, il est pas mal, hein. Ça change un peu. Attendez, je mets juste le petit cochon. Ou le petit cochon. De base, je devrais être en cours, mais... fait plus beau avec le bonsaï, hein, quand même. On va remettre le bonsaï. Oui, voilà. Le bonsaï, je préfère. Ok. Alors, j'aurais bien mis un petit tapis. C'est quoi ce mur? Mon dieu, il est tout petit celui-là. Qu'est-ce que c'est ce tapis? Je le connais même pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ah, un petit tapis rond là. Ouais, on peut le laisser là, genre. Banzai, ça fait plus joli. Je t'ai mise sur la télé. Oui, c'est mieux. Ok.
Alors, on va mettre des petits trucs au mur quand même. Ah, on peut lui mettre un poster de la plage. Parce que lui, il aime quand même les vacances. Ou alors, on peut lui mettre par là, au-dessus de son lit. Non, mais... Tu vas nous faire avoir le tournis. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre d'autre? Non, ça c'est toutes les toiles. Ah, on pourrait lui mettre... On a sa photo, je pense. Mince. J'avais zappé chez... Je faisais qui? Civet. Je fais Civet. Ben, je n'ai pas sa photo. On n'a pas les photos de tout le monde. Ah, mais non, j'ai que les photos de ceux que j'ai, en fait. Mais j'ai pas sa photo, ouais. Pourquoi j'ai pas les photos de tout le monde? Il est beau le tapis. Tu parles du rond ou du ovale, Pounette? Ah, on aurait pu lui mettre des petits gyroïdes. Ah ben non, pas rond comme ça. Ben si, on accroche au mur, mais du coup, faut le mettre comme ça. Ok. Par contre... Ah zut, t'es pas de la bonne couleur, donc tu t'en vas. Tu fais quoi comme son toit? Ouais, dans une chambre, ça passe. T'as les photos des gros singes, mais non, je les ai pas, Amandine, je sais pas pourquoi je les ai. Ah, c'est cool, Kitty, j'ai Emma. Ah, Emma, ça peut aller, Pounette. Fripouille vous fait des chouilles. Oh, bisous à Fripouille. Merci, Fripouille. Moi, Jodie, elle vous fait rien du tout, elle ronfle. Le tapis bleu est beau. Oui, c'est vrai qu'il est beau, Pounette. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors attendez, là je vois que j'ai le vaisselier. Donc on va le mettre en blanc. Hop, je vais sortir tout ce que je trouve en ranch là. Hop. J'adore cette cuisinière. Mais elle va pas rentrer quoi. Elle est beaucoup trop grosse. Je vais devoir prendre celle-là, je pense. Mais elle est quand même beaucoup moins jolie. Alors, hop, le vaisselier peut-être plus de l'autre côté. Genre ici. Ça, là. Et là, on peut mettre une petite table. En plus, ils ont la table ranch. Elle est en haut, je crois. Ah ouais, le meuble de télé aussi, ranch, exact. Ah zut, j'avais zappé. Oui, on peut mettre le dessus. Non. Hop. Mais non, zut, flûte. Je suis concentrée, hein. Je vous le dis. Ça va avec la chambre limite. C'est cool, Kitty. J'ai Nonos, il est beau, Nonos Pounette, en vrai. Bye, Kitty. Merci beaucoup d'être passée. C'est très gentil. Alors, j'étais à la table ranch. Dites-moi si vous voyez des trucs qui clochent. Hein.
Ensuite, il me faut les chaises. Hop. Oui, obligé, Séverine, obligé. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Alors attendez, on va quand même aller chercher la télé. Il va m'endormir le truc. Ah zut, j'ai passé les télés? Les petites lampes, ok. On va même lui mettre la lampe là. Je sais pas où, mais on pourra. Bah zut, je trouve pas les télés. Elles sont où? Ah, mais c'est peut-être dans les petits objets. Ben non. T'es dans mobilier, tu trouveras pas. Oui, c'est pour ça. Donc ça doit être là-dedans. Ah, ben voilà. Ah non, t'es pas au bon endroit. Alors, hop. Toi, tu viens là. Zou. Je vais mettre la lampe dans la chambre, mais ça n'ira pas. Donc on mettra des lustres. On changera. Est-ce qu'on lui mettrait un petit fauteuil à civet? Est-ce qu'on lui mettra pas un petit fauteuil? J'ai pas de beau petit fauteuil. Ah si, peut-être celui-là, on n'a pas le choix. Il est pas ouf le fauteuil patchwork, purée. Ah. Merci Michu, merci Séverine. Merci Isabelle. Encore à côté. Encore à côté quoi, Amandine? Le fauteuil contre le mur, tu veux dire? Ou le fauteuil d'à côté? Je sais pas. Dites-moi le fauteuil, je suis sceptique le fauteuil. Je sais pas si je prends celui-là ou pas, mais je vois pas d'autres fauteuils qui pourraient faire l'affaire. Ah si, celui-là! Il est plus beau celui-là! Attendez, on regarde toutes les couleurs. Alors, du coup, pas trop cette couleur-là, plus celle-là. Mais il est plus beau celui-là, non? Ah zut. Non, non, c'était pour trouver la télé. Ah zut, ok. Ok, Amandine. Genre, j'aime moins, moi, Pounette. Oui, celui-là, il est mieux, hein, on est d'accord, il est plus beau. Moi, j'aime bien le fauteuil patchwork. Moi aussi, mais j'aime bien celui-là. Je trouve qu'il fait plus fauteuil. Est-ce que je le mets là ou est-ce que je le recule? Genre, je bouge le tapis et celui-là, je le mets là. Mais ça fait bizarre, hein.
Donc on remettrait plus le tapis comme ça et le fauteuil là. Oui, c'est trop beau comme ça. Ok. Bon, en attendant que vous me dites, on va partir sur la nourriture. On va aller mettre de la nourriture. Ah, c'est celui-là, le fauteuil patchwork. Ok, bon, bah c'est celui-là, c'est parfait. C'est celui-là qui est le plus beau. Ah, des pots. J'adore ces pots en verre. Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour les mettre, c'est dommage. Parce que ces pots en verre, ils sont canons. Alors. Sur la table. Mais non, mais t'es en train de me mettre du pain là comme ça. Ah, Cléo, c'est le fourmilier, le nouveau fourmilier, je crois, Pounette. Je sais pas si je mets du pain. Attendez. D'habitude, je mets de la confiture, mais là, je vais essayer de mettre. Pourquoi pas? Tiens, les petits bagels glacés, là, ils sont beaux. Alors, attendez. La tarte, là, elle est canon, hein. Les bagels à côté de l'évier, c'est arbre, non? Ah, les petits cupcakes, on peut lui mettre des cupcakes au fruit que Séverine nous a passé. Est-ce qu'on met ça sur la table? Ouais, cette tarte, elle est trop belle, on est d'accord. Alors, par contre, est-ce qu'on pourrait pas mettre une espèce de poêle sur le gaz? Voilà, ça, ceux-là, là. Ah ben, on peut pas. Par contre, on peut la mettre là. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est bizarre, non? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le gaz? Ah, sinon on peut mettre le sac de course à côté de l'évier. Oui, mais non. Du coup, ça là et ça là. Ouh, ah, ouh, ouh. Géo dit, ah, Berk, elle est pas ouf, Pounette. Je tiens à ma réputation. Ah, walk sur le gaz. Oui, sinon je peux, Miju. Bon, il me reste les lustres et la déco sur les murs. Et on sera bien. Est-ce que je laisse comme ça? Alors, déco sur les murs, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Est-ce que ça, on a des petits placards blancs? Parfait. Non, zut. Hop. Ah, on aurait pu mettre des casseroles ici. Hop. C'est gentil, merci. J'adore ces petites appliques là, elles sont magnifiques. Ah bah zut, il m'en kiki, mais je voulais mettre au-dessus de son lit. Alors.
du coup je peux pas en mettre de sur le temps de Dieu. Merci mes jus. Ah oui, la plante verte, t'as raison, Amandine, j'ai pas vraiment mis de plante verte. Alors au sol, ouais, attends, si, si, si. Je peux en caser une. Je bouge le vaisselier. Et comme ça, je peux mettre une plante verte. Alors moi, la plante verte que je préfère, c'est celle-là. Et du coup, le vaisselier ici et la plante verte là-bas. Et on peut en mettre un peu sur les murs. Ah, cool Pounette! On continue mes murs. Mettre une petite plante verte ici. Ah non mais ça m'agace, ma manette elle fait ce qu'elle veut, c'est pénible. Une ici. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Bon, dites-moi voir ce que vous en pensez. En attendant, je vais aller illustrer. Non, c'est pas celui-là. Alors. Les petits papillons sur les plantes vertes, c'est obligatoire. Je pourrais pas y aller. Ok. Est-ce que vous savez comment on enlève ce qu'on a fait? J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Genre quand vous lustrez un objet pour réussir à enlever ce que vous avez fait. Est-ce que vous savez comment on fait ou pas? Oui, pas plus. Oui, oui, je suis d'accord, Isabelle. Merci, c'est gentil. Alors, on va remettre les plans, les chaises. Hop, et on va aller remettre un truc là de chaleur. Hop. Voilà, vers le gaz. Oui, voilà, c'est ça. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Genre, on fait ça, il y a de la fumée. On clique un coup dessus, pouf, elle fait comme ça et c'est parti. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'étais trop contente de l'avoir découvert. Je me rends compte que tout le monde le connaissait déjà, mais c'est pas grave. Isabelle, est-ce que tu savais, toi? Oh, je pense que oui, mais bon. Bon, voilà, je pense qu'on a fini la maison de Civet. Elle est belle. Elle est belle sa maison, non? La fille qui s'envoie des fleurs, mais on s'envoie des fleurs à tous, hein, vous m'avez aidé, parce que sinon j'aurais oublié plein de trucs. Bon, allez, on parle à Anouk. J'ai fini. Je sais pas si, comme j'en ai fait une de maison, est-ce que je peux en faire une deuxième ou pas, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Ah oui d'accord. Oui tu savais, je m'en doutais. En fait il n'y a que moi qui ai découvert ça il n'y a pas longtemps. J'ai juste testé. Hop hop hop. Parlons maison.
Ah, je peux encore, d'accord, ok. Ou alors ça va m'annuler? Je sais pas. Ah, Séverine, je suis désolée pour toi. Merci, c'est gentil. Bon, est-ce que vous voulez qu'on aille vite fait sur le DLC pour regarder qui c'est qu'il y a, faire un tour avec les items? T'as Terra, la Pounette? Dis-nous que t'as Terra. Je serais trop contente pour toi, Pounette. Ah, attendez, il y a Choco, il a la bubule. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Choco? Oh non, ils sont disputés, mon Choco et mon Miro. Arena, elle est trop belle, Pounette! Bon. Alors attendez, il faut que j'aille offrir son cadeau à Miro. Faut que je change sa maison à Miro aussi, l'extérieur, parce que là, ça va pas dans le, ça va pas dedans. Ouais, on va faire vite fait un tour sur le DLC, ok, ça marche. Surprise! Alors, qu'est-ce qu'il t'a offert? Ah, dommage, Pounette. Ou un mange-ballon. Mais c'est un truc de fille. Attends, vas-y, essaye. Non. Non! Mais non, je lui ai dit qu'il pouvait le garder. Oh non, il va se promener avec ce truc-là. Oh, mon Miro! Mais Choco, il te déteste pour t'avoir offert ça. Oh non, quel horreur. Oh non, mais sans déconner, il n'y a que moi pour faire des gaffes pareilles. Merci Choco, hein. Merci. Je t'aime bien, mais je pense que tu vas partir en fait. Ah non, mais j'en peux plus. Mais oui, Isabelle. Oh là là. J'étais contente de moi. Je me suis dit, il va me dire comme quoi il va le mettre en exposition. C'est pour ça que j'ai cliqué sur oui. Mais non. Bon, je veux voyager. Allez sur l'île de Joe. Non, faut pas offrir ça, Amandine. On est d'accord. Oh purée. Ah, je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Bon, je suis pressée d'être à demain du coup pour voir Ketchup. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? J'en peux plus. J'en peux plus de moi. Hein. Oui, je sais, Mathéo. Excusez-moi, je suis désolée, je fais nain, mais ça va, je me reprends. Allez, reprends-toi, tout va bien. Zut, je vous ai tapé, excusez-moi. Re-oups. Non, mais là, ça veut dire que là, il va falloir que j'arrête. Je fais que des bêtises. Ah, il y a mon petit Ben. Ok, alors. Oh, il y avait Myrtille. Alors, on va juste aller se promener, j'aurai pas le temps de faire quelque chose, je pense. On va juste se promener, regarder les objets qu'on a. On a May. Oh, purée, en plus, y a... Ah, il y a l'autre mocheté là. Ah non, pas elle. Bon, on en a deux beaux sur, sur 5-6 là, je sais pas combien. Hop, on va aller prendre la petite bouteille. Ouvrir. Ok, je le connais déjà. Purée, Melba, elle déprime. Eh, Melba, t'es en vacances, qu'est-ce que t'as? Ok. Bon, alors là, je n'ai plus de voix, mais vous m'avez dit que si je vais au restaurant, je peux avoir un plan, c'est ça?
Oh là 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 là, il y a l'autre moche. Vite, 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 fuis, fuis. Noémie, pousse-toi! Non, c'est pas Noémie, c'est Naomi. Zut, pardon. Quand on s'en fait comme une tomate à la courgette. Ok, Séverine. Alors. Qu'y a-t-il, Trutruche? Alors, je la voulais, Julie, mais Trutruche, que prépares-tu? Gelée à la poire, oui. Vas-y, donne-moi ça. Trutruche. Trutruche, ça, c'est pas possible. Faut faire quelque chose avec Trutruche, là, c'est pas possible. Et Tien Cheng, il va me donner quelque chose ou pas? Non, ok, tu me donnes rien. Bon, on va aller vite fait faire un petit tour chez Lou. Non, mais Trutruche. Qui dit Trutruche? C'est pourri comme nom, Trutruche. Bref. Ouais, bah Julie, moi je vais quand même essayer de la prendre parce qu'elle est belle quand même. Hein. C'est passé quoi là, Mathéo? Parce que moi j'ai rien suivi. Hein. Alors, le patchwork, je l'ai déjà. Ah, j'ai plus assez de Poki. Puisque tu n'as qu'un objet, tu peux payer plus tard. Veux-tu effectuer cet achat? Vous le saviez, ça? Ah, ok, Mathéo, je sais pas comment t'as fait ça, mais ok. On peut payer plus tard. Non, merci. Attends, moi, j'aime pas avoir des dettes. Putain, c'est gentil. Attends. Alors, retrait. Non, zut. Échange. Des clochettes en poki. Montant maximum. Ah, vous saviez pas? Ah, j'ai découvert quelque chose! Si Mantin, il vous aime bien, vous pouvez payer plus tard. Ok. Alors, je vais passer ma petite commande. Qu'est-ce qu'on pourrait se commander? Ah, les petites appliques, là. Ah bah non, je les ai déjà. Bon, on verra ça plus tard, Mantin, parce que je vais prendre 3 heures. Par contre, je continue de penser qu'il faut que j'achète l'appareil photo. Et puis tiens, pourquoi pas ça? J'ai assez, ouais. Je crois que j'ai plus assez, là. Ah si, j'ai assez. Par contre, le tabouret fait pipi, non merci. Bon bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Il va vraiment falloir que j'aille passer le coup de téléphone, là, que j'aille rappeler la personne, parce que ça a l'air d'être urgent. Par contre, je suis un peu déçue, parce que du coup, j'avais des beaux, là. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis désolée, les beaux. Je veux rentrer sur mon île. Effectivement, je viens de voir que c'est un peu urgent. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on va s'arrêter là pour ce live. Je suis désolée, il a été un peu plus court que prévu. Mais on a réussi à faire la maison de Sylvie. On a réussi à trouver un bel habitant. On a fait une chasse qui était plutôt beau. Belle, pardon. Donc, voilà. Je vais juste déplacer ça et le mettre là. Pour tout à l'heure. Moi qui pensais que je finirais pas aujourd'hui. Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce live. J'espère qu'il aura été quand même assez intéressant pour vous, même s'il a été un peu plus court. Et on se retrouve de toute façon tout à l'heure, 17h. Alors, j'espère que je vais pouvoir le maintenir, je sais pas. Je sais pas si je vais pouvoir le maintenir, mais en tout cas, je vais tout faire pour maintenir le combat de gladiateurs. Mais sinon, concours de gladiateurs ce soir à 17h. Voilà, voilà. Donc, bon appétit à tous, même si on a un peu en avance. Merci à tous d'être venus sur le live. Voilà, exactement. Gros bisous à tous. Et on se dit alors à tout à l'heure. Bisous, bisous!